Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de votre ventre. Comment avoir un ventre plat? C'est parti! Donc, alors, si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à avoir un ventre plat. C'est que peut-être que vous avez pris du poids, vous avez pris du ventre, surtout durant peut-être les confinements. Et tout cela amène que maintenant vous n'êtes pas satisfait de votre corps, vous avez envie d'éliminer ce gras, vous avez envie d'éliminer cette graisse de notre ventre, ou peut-être que vous avez toujours eu un ventre un petit peu gonflé, un petit peu gras, et qu'aujourd'hui vous vous dites ok, maintenant il est temps pour moi de changer tout ça. Donc ce qui explique le fait tout simplement de prendre du poids ou de prendre du ventre, c'est que vous consommez plus que ce que vous dépensez. Donc vous consommez davantage de calories que ce que vous dépensez. Peut-être que vous passez beaucoup de temps à la maison, vous ne bougez pas à la maison, vous ne sortez pas souvent et du coup ça fait que les calories s'accumulent et les poids augmentent. Vous m'avez demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour essayer d'éliminer le gras au niveau du ventre. D'abord, quelque chose que vous pouvez essayer, c'est tout simplement essayer de regarder comment est-ce que vous mangez. Quand est-ce que vous mangez? Est-ce que vous mangez suffisamment? Est-ce que vous mangez trop? Est-ce que vous avez eu tendance, depuis que vous êtes à la maison, à manger souvent, mais des trucs qui ne sont pas spécialement bons pour vous? Regardez d'abord comment est-ce que vous mangez, évaluez votre manière de manger et dites-vous clairement est-ce que vous mangez bien ou est-ce que vous mangez pas bien. Donc alors, ce que moi je vais vous proposer, c'est tout simplement, au lieu de manger des gros repas comme ça, réduisez vos quantités. Réduisez tout simplement vos quantités et mangez, au lieu de manger 3 repas par jour, en mangez 4 repas par jour. Et ça déjà, ça va énormément vous aider avec votre perte au niveau donc, du ventre. Vous allez voir réellement que votre consommation calorique va naturellement diminuer. Ensuite, ce que vous pouvez faire ici, un jeûne intermittent. La semaine dernière, une jeune fille m'a demandé est-ce que c'est bien de faire un jeûne intermittent? Qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a demandé qu'est-ce que j'en pense du jeûne intermittent. Donc moi, je lui ai dit, écoute, si tu as envie de le faire, fais-le, c'est bien, ça va t'aider. Maintenant, moi, je ne l'ai jamais fait, donc je ne peux pas te dire. Moi, je te dis tout simplement, si toi, tu ressens l'envie de le faire, fais-le. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? C'est tout simplement le fait de jeûner pendant un certain nombre d'heures, donc durant la journée. Vous pouvez jeûner pendant 8 heures, vous pouvez jeûner pendant 12 heures, vous pouvez jeûner pendant 20 heures, avant donc de manger. Donc généralement, donc, la majorité des personnes essaient donc de jeûner au matin, donc commencer à manger à partir de midi 13 heures jusqu'au soir. Mais le problème, c'est que cette jeune fille-là m'a dit, moi je mange de midi jusqu'à 20 heures, mais je mange beaucoup de choses et beaucoup de choses qui ne sont pas spécialement bonnes. Donc elle accumule. Et au final, elle a essayé et elle a vu qu'elle n'avait pas de résultat. Donc si vous faites le jeûne intermittent, essayez quand même de bien le faire, de commencer à manger, de respecter votre timing et également de manger de manière suffisamment correcte, réduire vos quantités, ne pas manger une trop grosse assiette. Et là, vous aurez des résultats. Alors ensuite, n'essayez pas de vous soumettre à un régime trop strict. Parce que généralement, lorsqu'on se soumet à un régime trop strict, on abandonne directement. On va peut-être voir un petit peu de résultats, mais après on va se dire, est-ce que ça en vaut la peine? Et on va abandonner. Ce que vous pouvez faire, donc, c'est d'abord l'idée de manger 4 repas. Et ensuite, essayez, lorsque vous mangez, remplacer, de ne pas manger des aliments trop salés ou trop sucrés. Faites-vous plaisir, mais n'allez jamais dans l'excès. Et ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de saler avec du sel vos aliments, vous pouvez utiliser par exemple du poivre. Et ça, ça va déjà énormément vous aider. Deuxième point qui va vous aider pour votre perte au niveau du ventre, c'est bien sûr le sport. Faites du sport, bougez, parce que l'idéal, c'est de dépenser plus que ce qu'on accumule. Donc, bougez, faites du sport, allez courir, faites quelques petits exercices et faites des exercices que vous aimez. Peut-être par exemple, il y a des gens qui vont dire, moi je n'aime pas courir. Alors faites des exercices chez vous, faites des exercices dans un parc. Essayez d'aller sur YouTube, sur Pinterest, sur Instagram, chercher les exercices qui pourraient être intéressants pour vous.
Et lorsque souvent on veut perdre au niveau du ventre, ce qu'on aura tendance à faire, c'est allez, on y va, on fait des crunchs, on fait des crunchs, on fait des crunchs. Alors que c'est pas le truc qui est le plus idéal, surtout lorsque vous voulez perdre du ventre, avoir un ventre plat. Ce que vous devez faire, c'est vraiment des exercices qui sont adaptés à vous, adaptés à votre morphologie. Regardez si vous n'avez pas des douleurs peut-être au dos avec certaines positions. Faites la planche, faites des exercices qui vraiment non seulement ne vous font pas mal dans des endroits où ça ne devrait pas faire mal, et en même temps que vous prenez du plaisir à faire du sport pour ne pas abandonner avant d'avoir commencé. Je vais vous mettre à la fin de cette vidéo quelques exercices que vous pouvez pouvoir faire et que vous allez pouvoir prendre. Maintenant, si vous voulez que vos résultats soient waouh, vous devez bien sûr prendre votre temps. Prenez votre temps et aimez votre corps comme il est. Lorsque vous allez manger, lorsque vous allez faire des exercices, prenez le temps en fait de déjà accepter votre corps, de l'aimer comme il est, et tout simplement en fait être bien dans votre enveloppe, être bien dans votre corps. Et là déjà, ça sera déjà un grand pas vers vos résultats. Et entourez-vous des personnes qui vous motivent, parce que si vous êtes entouré donc de votre famille, vos amis, qui vous sont toujours là pour vous motiver, toujours en train de vous dire allez c'est bien, tu fais ça bien, etc. Ou que vous avez des amis qui veulent venir avec vous s'entraîner, aller courir dehors, faire quelques exercices, c'est beaucoup plus simple. Vous allez vraiment kiffer, et vous allez limite tellement kiffer que lorsque vous aurez perdu votre ventre, vous voudrez continuer à faire du sport encore plus et encore plus. Donc voici mes quelques exercices qui vont vraiment pouvoir vous aider et que vous pouvez kiffer, que vous pouvez faire, que moi en tout cas je kiffe faire et que j'aimerais partager avec vous. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous invite à me suivre sur Instagram, allez faire un petit tour sur mon site web si vous aussi vous aimerez, comme ces filles-là, perdre du poids, perdre le gras de votre ventre, sculpter votre fessier, sculpter vos cuisses, renforcer en fait votre corps. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site web. N'oubliez pas également de partager, de commenter, et on se voit pour la prochaine vidéo. Bisous.